Oui. C'est vrai, fils, il demande, comment j'ai connu le Seigneur. Vous m'excuserez, ça sera un peu long certainement. Gloire à Dieu, ça fait rien, ma soeur. Parce que je ne peux pas dire une partie, l'autre partie que je laisse. Parce que vous ne savez, bien sûr, il y en a beaucoup de chez nous, notre famille. Il sait comment ça, ça produit. Alors moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 11 ans. Et me l'a rendu à 71 ans. Alors ça fait bientôt 60 ans que je suis baptisée par immersion. C'est vrai qu'on a connu le Seigneur en 5 ans. J'avais un frère qui est tombé malade. Là, j'avais ma mère. Ma mère s'est trouvée à Lisieux. Et comme ça, vous savez où c'est que ça s'est produit. Comme le but du réveil, comme il a commencé. Moi, j'ai connu le but du réveil. C'était ma mère qui a eu la petite brochure. Alors, ma mère, elle a été à Lisieux avec ma tante par offre des médailles. Parce que ma mère, elle faisait la bonne aventure. Donc, qu'est-ce que ma mère? Et là, elle a été à Lisieux. Et là-bas, Lisieux, c'est un pays religieux. Et à la basilique, il y a Sainte-Thérèse, là-bas, qu'elle a embaumée. Oui, c'est vrai. Et puis, ma mère, elle a été sur le marché. Ma mère, elle avait une grande poche. Et puis, elle a bourré sa poche de médailles. Et puis, elle en a mis partout, où c'est qu'elle pouvait, dans sa piscine, dans elle, partout, ma tante aussi. Et puis après, comme elle a bien fait son marché, elle a été sur le marché, bien sûr. Et là, elle est venue vers un homme, c'était un colporteur de Bible, qui s'appelait Roger. Et ce jour-là, il vendait des Bibles. Et ma mère commence à approcher vers lui. Elle a dit, ma mère, qu'est-ce que vous vendez? Elle m'a dit, madame, moi je vends la Bible. Et puis, bien sûr, ma mère a croisé que c'était un guérisseur. Mais ce n'était pas un guérisseur, c'était bien un enfant de Dieu. Et puis, il a donné une petite brochure à ma mère. Ma mère, elle l'a mis à pas porter corps, elle l'a mis dans sa tissique, cette petite brochure-là. Et cette petite brochure-là, elle a fait une boule de neige. Et puis, 6 mois après, mon frère a tombé malade. On était encore à Lisieux. Et là, on s'est mis sur la place du marché. Ils faisaient le marché aux cochons, aux vaches, tout ça. Alors, mon frère tombe malade. Il l'a amené à l'hôpital à Lisieux. Et puis, mon frère, il a été opéré. Et le chirurgien qui a opéré mon frère, il a appelé ma mère. Ma mère, elle a été voir mon frère, bien sûr, elle l'a appelé. Il l'a mis dans le bureau, il a dit, madame, voilà, j'ai opéré votre fils. Et votre fils, il n'y a plus rien à faire. Votre fils, il va mourir. Je l'ai prolongé. C'est tout. Ne comptez plus sur votre fils. Combien d'enfants vous avez? Ben, il ne m'en reste que 5, monsieur. Ben, conservez vos 5 enfants, faites attention à vos 5 enfants, mais sur celui-là, que j'ai opéré, ne comptez plus. Alors ma mère, elle a amené vers mon père, et là on s'est mis, mon père il a détenu la voiture. Et puis vous voyez, les plans de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Et puis mon père, il s'est mis là, et puis la salle, elle se trouvait juste en face de nous. Donc on ne sait pas. Et mon père, il s'est mis là. Ma mère, elle a amené vers mon père. Mon père s'appelait Carlo. Il dit, tu sais, Carlo, dit notre fils, il a été opéré. Mais il m'a dit, le médecin, il a dit que notre fils, il va mourir. Il avait 2 petits-enfants. Alors, il y avait ma tante qui était là encore. Elle a dit, ma mère s'appelait Asie. Elle a dit, Asie, elle a dit, tu sais bien que le gardien qui t'a donné un petit morceau de papier, comme on a été à Lisieux. Alors elle dit, tu dis bien, elle dit, toi, il y a 6 mois de ça, est-ce que je l'ai encore, ce petit morceau de papier. Alors,
La mère arrive là qui sait. Elle le trouve tout chiffonné. Il y avait de la boue dessus. Mais est-ce qu'il était écrit dessus, c'était pas effacé. Alors, elle s'en va juste dans la rue sans savoir. Je me rappelle, c'était la rue de Confront. Je me rappellerai comme aujourd'hui. D'abord, je vois tout deux fois devant moi. Alors, je ne sais pas si c'est un gardio ou une gardie. Elle demande où c'est cette rue-là. Elle dit, madame, vous êtes bien dans la rue de Confront. Elle dit, vous voyez une voiture là-bas, c'est là-bas la salle. Alors, elle a rentré dans la salle. Et puis le pasteur, c'était Gignard. Il était en train de prêcher là-bas au Descrade. Et puis comme il a vu ma mère et ma tante rentrer, il était curieux. Quoi. Il n'y avait pas de manouche au Seigneur à ce moment-là. Alors, je pourrais vous dire, cette petite brochure-là, elle l'a perdue trois fois. Parce qu'il ne voulait pas le diable. Elle l'a perdue trois fois. Alors, une fois, elle l'a trouvé à balayer. Elle l'a trouvé dedans. Elle l'a trouvé dans les limons. Après, elle l'a trouvé en dessous de son soulier. Alors, tellement on peut se paraître, si on trouve un petit papier en dessous de notre soulier, on le prend, on le jette. Mais elle l'a pas acheté, elle l'a pris encore, son soulier, elle l'a mis dedans. Trois fois. Après, vous savez pas comment c'était les manouches, hein? On n'était pas évalués comme maintenant. Mais bon, le Seigneur, ça s'est évalué. Ma mère faisait un petit feu, elle mettait sa marmite dessus, elle nous faisait à manger. Et là, elle couchait les pommes de terre d'un panier. Le diable, il l'a pris encore de la quissique, il l'a mis dans le panier. Elle l'a trouvé encore dans le panier, la petite brochure. Alors, elle l'a pris encore, puis elle l'a mis encore dans sa quissique. Et c'est là, après qu'elle a été dans la salle, le frère, il est venu. Il dit, ce que vous avez, madame? Il m'a dit, voilà, monsieur, j'ai un fils qui est opéré. Il m'a dit, mon fils, il va mourir. Il m'a dit, madame, écoutez, asseyez-vous ici, on va prier pour votre fils. Et demain, j'irai le voir à l'hôpital. Alors, toute l'assemblée l'a prié, ils ont prié pour mon frère. Et le lendemain matin, il a été à l'hôpital. Gignard, et il y avait un autre gardio qui nous a suivi pendant un an de temps. Alors il s'appelait Ribot, le gardio, et ils ont été tous les deux à l'hôpital. Ils ont demandé à aux dames qui étaient là où c'est qu'il était mon frère, et puis les gardiens l'ont montré. Et puis Gignard, il a prié au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je me rappelle comme aujourd'hui. Il a mis un petit morceau de papier derrière son lit, c'était marqué la guérison dessus. Il a dit, crois-tu le Seigneur Jésus qui va te guérir? Eh bien, il a dit, je crois. Il a prié le frère, et mon frère, il a été bien guéri. Amen. Et 4 jours après, il a sorti de l'hôpital. Gloire à Dieu. Et après, ma mère, elle a écrit à Mans. Elle a dit, Mans, viens. Elle a dit, ton frère, il devait mourir. Et puis ton frère, il a été guéri. Et moi, j'ai trouvé mon Père Céleste. Mais viens, mon garçon. Alors, Mans, il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Il nous voyait. On faisait chanter, on faisait prier. Et le gardien, il nous a suivi pendant un an de temps. Ribot. Alors, il avait une grosse moto, ce gardien-là. C'est un colporteur aussi de la Bible. Aussi, il vendait des Bibles dans les fermes. Il disait sur mon père, comme ça, tu vois, mon père, c'est le gardio. Il dit, toi, j'ai dit, si j'attends, il fallait qu'ils me faisaient partie. Il comprenait le gardio. Pendant un an, il me suivait. Ah ben, il a dit, si j'arrive sur un carrefour, je mettrai des feuilles de route tout droit. Et si je tourne à droite, je mettrai aussi des feuilles de route. Comme ça, tu trouveras. Le gardio, il venait à 8 heures le soir dans sa maison. Il jetait sa valise là-bas, il montait sa grosse moto. Et puis le gardio, il amenait sur le carrefour, puis regarder. Et puis, il est tiré. Et puis il suivait les tsaïchés. Et puis il venait vers nous. Ma rappelle, ma chère mère, elle faisait un feu avec mon père, mes frères. Et là, elle mettait une bassine là. Et puis elle mettait 2 bougies dessus. Voilà comment ça produit le réveil. Amen. Et puis ça continuait les réunions. Vous savez, à quelle heure, il n'y avait pas d'heure.
minuit, 1h du matin, 2h du matin, en train de chanter à la gloire de Dieu. Et puis Mans s'apprête à venir vers nous. Il était stomaqué, Mans. Il dit qu'ils n'ont eu, ils n'ont eu fou, ils mangeront plus, ils vivront plus, ils ont prié, ils ont chanté. Moi je m'en vais là, il a dit, disait Mans. Alors il a été vers ses bons frères, Mans, en Bretagne. Et puis il s'est trouvé tout seul avec Pounette, ma belle-sœur. Il dit, Pounette, il y avait une rivière qui était là, il y avait sa Bible en dessous le bras. Il avait tellement l'envie de prêcher dans son cœur, appelé par Dieu. Il n'était même pas baptisé, il avait déjà la peine dans son cœur. Parce que Mans, il a venu comme un libérateur, il a venu comme Moïse. Alors, il dit, ben, Pounette, et ben, il dit, il y a de l'eau, là, qu'est-ce qui nous empêche de se baptiser? Ben, dis-moi, je vais descendre dans l'eau, puis toi aussi. Il a mis sa Bible sous le champ. Ben, il a dit, toi, tu me baptiseras. Et moi, je te baptiserai après. Mais elle, quelle femme de Dieu, quelle sagesse. Elle a dit, non, Mans. Elle dit, attendons un pasteur, et il nous baptisera, et puis après, ça sera bien. Alors, il a été vers le Cossack, il l'a baptisé. Et après, il a été vers ses beaux frères, avec André, Poulou, il a baptisé ses belles-sœurs, ses frères, tout ça. Et puis après, il a venu vers nous. Et nous, ce qu'on était arrêté, c'était la mer. Il y avait la mer qui était là, il n'y avait plus de route, et l'autre côté, c'était Brest. Mans, ce qu'il a fait, il a fait venir un bateau là-bas. Le conseil qui était de l'autre côté nous attendait. Et puis le bateau est venu. Après le grand-père de mon fils, ils sont 15 enfants. Et nous, on était 6. On a monté tous sur le bateau. Et puis moi, je ne vais pas faire de la peine à mes enfants, à mon fils. Parce que les plans de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Moi, j'avais 14 ans. Et lui, il avait 17 ans. Et moi, je suis en train de me baigner avec lui dans la mer jusqu'à là. Puis j'ai ma petite nièce par la main, elle est partie auprès du Seigneur. Le bateau, il partait, il fumait. Il était bien rendu, presque comme le bout de la tente. Il a regardé en moi. Il dit, serait-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste là. Il m'a pris par la main. Et on a couru derrière le bateau. Et on a monté tous les deux dedans. Avec eux. Et puis il y avait ce côté-là, puis ce côté-là. Et Mans dans le milieu, puis Mans s'est chanté des cantiques. On a chanté des cantiques, il y avait moins 20 km pour traverser la mer. Et on a traversé la mer en chantant des cantiques, des louanges. À Verdieu, on sentait la présence. On parlait en langue, tout ça, Mans aussi. Et puis on s'est fait baptiser ensemble. Et puis un an après, on s'est pris. Et je servis le Seigneur. J'ai prié 30 ans pour lui, pour qu'il soit convaincu, dans ma misère, dans ma peine. Et au bout de 30 ans, j'ai vu ma prière réalisée. Il a dit, Mans, aujourd'hui, il dit, il faut que tu serves le Seigneur. Il s'est élevé, il a dit, dirige la réunion. Il s'est élevé, il a dirigé la réunion. Voilà comme ça produit. Et j'ai servi le Seigneur avec lui. J'ai chanté à l'âge de 17 ans avec lui. Et j'ai prié plus de 30 ans pour lui qu'il soit convaincu, dans ma misère, dans ma souffrance. Mais au bout, j'ai eu la victoire. Et après, j'ai eu la joie, parce que mon fils l'a remplacé. Aussitôt qu'il a parti de la paix du Seigneur, fils, il l'a remplacé. Et fils, il a ses deux Bibles. Il a la première Bible, les premières études, la deuxième étude, il a encore l'autre Bible. Et je rends grâce au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, et surtout qu'il bénisse son serviteur, parce que moi je sens la présence. Gloire à Dieu. C'est pas tout. Vous savez, le Seigneur, il veut pas une vie à moitié. Même dans ma souffrance, moi. Moi, j'ai passé un brûlant désert. Je pourrais vous le dire, mes frères. J'ai passé 5 fois par la mort. Comme le frère, il disait, parler du diable. Ben, vous savez ce que j'ai dit à Satan, moi. Il a voulu détruire ma foi. Mais j'ai dit, Satan, tu n'arriveras pas. Maintenant, moi, je suis plus ta propriété. Je suis la propriété de Jésus. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, fous le camp. Merci, et il est parti. Gloire à Dieu. Et je rends grâce au Seigneur que je suis là. Et je veux le suivre tous les jours de ma vie, même dans ma misère, dans ma peine. Et je veux tiens le bon bout.
et j'aurai la couronne de gloire. Gloire à Dieu. Il mettra une couronne et moi je lâcherai ses pieds. Voilà le mérite du chrétien. Et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.